Salut tout le monde, c'est Rouge91, on se retrouve pour moi après une toute petite pause chocobon. Oh, pas le droit de pub, hein, c'est pas grave. Une toute petite pause, mais pour vous, après quelques jours, pour continuer sur la map de Ferraslan. Je rappelle le projet Fabula Minecraft, qui est de construire des maisons modernes, assez grandes, aménagées, en construction suivie. Et donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais loupé le garage. Hop là. Ah ouais, j'avais loupé le garage, c'est super important. Alors là, pour foutre les voitures, on peut en mettre deux là, largement. Avec des tables de craft, super bien foutues pour mettre les outils accrochés. Voilà, parce que les sous-sols sont souvent pris pour les, comment on appelle ça, pour les outils et tout ce qui est bricolage. Bon, ça, là, je m'adresse à tous les mecs fans de bricolage. Voilà. Ouais, ah oui, mais oui, forcément, j'allais louper. Ouhou, salle de concert. Avec piano. J'adore le siège. Voilà. Je vous fais un petit concert privé. Voilà, c'est fini. Je sais pas faire de piano. Ouh. Accès piscine, chaussures et manteaux, s'il vous plaît. Ah oui, il faut tout poser hein, quand même. On n'est pas des gros dégueulasses. J'aime bien les murs décorés comme ça, avec juste comment je peux appeler ça? Un étage de laine rouge. Ah, bah pourquoi il a pas coupé? Ouais. Ah, je comprends pas pourquoi il a pas continué. Voilà, juste ici là. Moi j'aurais mis du rouge là, continué. En plus ça continue avec ici. Complètement. Enfin bref, là, je trouve ça super sympa comme décoration de mur. Ça change les murs tout blancs ou tout noirs ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est pas bête. Bref, on continue. Alors ici c'est pour changer, pour mettre son petit maillot, sa culotte. Hein. Bon moi évidemment je mets un boxer ou quoi que ce soit hein, parce que moi je suis à la page. Voilà, ici pour se doucher. Ah merde, quel con j'ai volé. Pas le droit de voler à l'intérieur. On devrait mettre une interdiction. J'ai pas lancé mon chrono, encore une fois. Là, j'oublie tout le temps. Voilà, c'est fait. Voilà, donc ici, et puis là, on arrive à la piscine olympique. Bah, ouh. Le fond tout en vert et glowstone. Hop. Un petit peu de relief à son mur du fond et puis une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de, ah, je sais pas, mais comme sur les fortifications en gros, et ça rend pas mal à l'intérieur, ça occupe l'espace un petit peu qui sans ça paraîtrait un peu vide à mon avis. Et alors ça j'aime bien, c'est de l'eau, ouais. Ce mur de flotte. Super sympa. Voilà, plein d'idées à reprendre encore, je vous l'avais dit, hein. Vraiment plein de choses. Ouais, c'est bien par là, la sortie. Hop. Alors, je vais essayer de trouver, je crois qu'il avait fait une bibliothèque. Je vais essayer de retrouver ça. En attendant, on va passer par là. Alors ici cette maison, elle est un peu particulière, si je me rappelle bien, c'est il a créé cette maison pour le projet de justement Keralis, si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite. Keralis, c'est le youtubeur qui l'a inspiré ou qui l'a donné envie de faire des vidéos, je crois. Et cette maison, c'est le projet de ce youtubeur Keralis qui a mis sur
sur sa map des constructions d'autres youtubeurs. Et qu'il les fait visiter, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, cette maison est faite pour ce projet. Voilà. Et alors, il avait expliqué dans sa vidéo qu'en plus de ça, cette maison est un peu spéciale car si on la copie et qu'on peut la coller contre ça. C'est-à-dire, on a juste à la tourner, vous voyez, et ça nous ferait un carré. Et ça pourrait faire une immense maison. Et ouais, c'est sympa comme idée, comme de pouvoir imbriquer les maisons entre elles, ce qui donnerait une nouvelle maison. Alors là, une autre maison, je suis désolé, mais je vais pas tout faire, donc si vous voulez... En plus, je crois que je l'ai visité celle-là. Je l'ai visité. Ah, celle-là, je l'ai pas visité. Je vous la montre de l'extérieur. Si vous voulez en voir plus, allez sur sa chaîne parce que j'ai pas envie non plus de faire 40 000 vidéos. Ça sert à rien. Et donc si le projet et les constructions vous plaisent, il n'y aura pas de souci. Vous allez aimer la chaîne, donc allez-y. Abonnez-vous, Feraslan, je vous mettrai un lien à la fin de toute façon. Ici, pareil, encore une. Vous voyez, à chaque fois les décorations, beaucoup d'eau, de verdure, super beau. Ah, voilà. Je crois que j'ai trouvé. Alors une place ici. Une grande place avec des fontaines. Alors je vais vous montrer la bibliothèque. Voilà. Ah, je vous ai pas montré l'extérieur, j'oublie à chaque fois. On va remettre le jour. Tac. Ah, vous voyez, je me suis inspiré de cette construction un petit peu pour faire l'une des maisons que je vous avais montré avec la grande baie vitrée qui parcourt vraiment toute la maison. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, donc je me suis dit que j'allais faire un petit truc comme ça. Donc vous voyez encore les colonnes en sandstone. Cette fois j'ai pas oublié. Voilà. On va rentrer à l'intérieur. Bibliothèque municipale ultra grande et ultra moderne aussi. Comme vous le voyez. Par rapport à moi qui ai fait quelque chose un peu plus dans la typique. Accueil information. Emprunt. Toujours le petit ordi Ferascorp. Ferracorp. Pas Ferascorp. Ferracorp, concurrent direct de la marque à la pomme. Retour. Ok. Donc là, petit accueil sympathique. Tous des ordi de Ferracorp. Les emprunts ici, si j'ai envie d'emprunter quelques livres. Voilà. Alors là, bibliothèque, hein. Donc... Les livres s'imposent avec les petites échelles ici pour aller choper les livres tout en haut, comme on le voit souvent dans les films américains et tout. Je sais pas si ça se fait beaucoup en France, les échelles qui se baladent sur toute la rangée. Enfin moi en tout cas j'en ai jamais vu en France, mais ça doit se faire hein, dans les grandes bibliothèques hein, évidemment. Moi je me tape des bibliothèques un petit peu basique, si on peut dire. Voilà. Voyons, voyons, voyons. Là, on a un étage. Donc, ici, c'est pareil. Voilà. Hop là. Peut-être un peu bas la lumière, pour le coup. Le balcon. Tout vide. Ça m'étonne qu'il n'ait pas fait de table ou quoi que ce soit. Ici, justement, les tables pour lire tranquillement. Ici aussi, le petit coin au milieu qui est vraiment sympa. Hyper bien éclairé, justement, avec cette vitre qui passe d'un bout à l'autre de la structure. Alors, j'aimerais trouver, et je crois bien qu'il avait fait ça. Un souterrain
avec toutes les archives, voilà, les livres anciens, qui tous ces livres qui supportent pas la lumière, qui abîmeraient la lumière, qui s'abîmeraient avec la lumière, pardon. Alors je suis en maudit hein, au niveau de la lumière et tout, donc c'est peut-être vous ça vous paraît peut-être un peu sombre, mais c'est normal. Voilà. Et vous avez vu des sortes de coins en verre vraiment cloîtrés. Ce sont carrément les livres qui ne supportent absolument pas même l'air. Il avait expliqué ça, je sais pas si vous avez vu le film Ange ou Démon. Moi qui l'ai vu, j'ai absolument tout de suite compris ce qu'il voulait faire. Ce sont des livres, ouais, voilà, dès qu'ils sortent un petit peu de leur coin confiné, avec une dose d'oxygène et d'humidité réglée et tout, pour ne pas les abîmer. Voilà, donc on va rentrer. Et puis voilà, du coup, hein, des bibliothèques avec un coin pour lire, car ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le droit d'être sortis, trop anciens, trop précieux. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais aller voir, il doit y avoir quelques maisons que j'ai pas survolées. Je suis perdu. Ah, voilà. Et puis après on va se laisser. Alors cette maison qui a été faite en construction suivie aussi. Vous voyez encore, hein, le nom de la maison. Marqué quoi? Kerlulu. Voilà, de la verdure, de la couleur. On voit du vert à l'intérieur, on voit du orange à l'extérieur. Du noir, du blanc, voilà, une terrasse sur le toit avec jacuzzi. De l'autre côté, la maison, on voit de l'orange, du violet, voilà. Ici, c'est la maison qu'il avait expliqué comme des cubes imbriqués, comme j'avais, je crois, hein. Je crois que c'est celle-là. Voilà, des cubes de couleurs imbriqués. Un peu comme j'ai repris son idée pour l'une des dernières maisons que j'ai construite en noir et blanc. Voilà. Avec les colonnes d'orange et de violet. Franchement, voilà. La couleur flash et apporte attire l'œil. Et c'est ça qui est bien. Enfin, je vais pas rentrer à l'intérieur. Hein, voilà. Vous irez voir sur ces vidéos. Voilà. J'ai pas envie de tout vous montrer. Ici encore une maison sympathique. Ici une maison bleue. Blanc, noir et bleu. Celle-là, on l'a vue. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Le coin et la ville entre guillemets est loin d'être finie. Ferraslan prend beaucoup beaucoup de plaisir à vous faire des vidéos et moi je prends beaucoup de plaisir à faire sa promotion entre guillemets. Hein. Il en a pas besoin mais j'aime bien donc. Je vous fais partager un petit peu mes découvertes de YouTube si vous les connaissez pas. Voilà. À vous après de faire la démarche d'aller sur sa chaîne et de regarder. C'est vraiment sympa comme vidéo, c'est convivial. Et toutes ces petites chaînes de construction et tout de Minecraft, ce sont celles-là les meilleures. Les chaînes avec peut-être 50, 100 abonnés, on va dire. Ce sont les maps qui sont bien faites avec un youtubeur qui prend soin de vous. En tout cas, pour ma part, pour les autres aussi, je pense. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Un bel aperçu de la ville
en vision aérienne. Et puis, du coup, on se retrouve pour la pour la prochaine vidéo. Je sais pas ce que ça va être, mais elle sera bien là. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Excusez-moi. Et jusque-là, bah, vous désabonnez pas. Abonnez-vous à la chaîne de Feraslan. Abonnez-vous à la mienne si vous ne me connaissez pas encore. Et puis voilà, c'est à peu près tout. À plus les gens.